Et que je me viens dans ce moment de trop de l'information. Mais avant toute chose, je prends la météo. En Algérie, demain, la journée, le ciel sera nuageux sur le nord-ouest, la tempête vient et le jour-est. Il y aura un grand soleil sur le centre, le centre-est et sud-ouest du pays. Pour les températures notées, 15 degrés à Alger, sous le soleil, le ciel de la mer sera en revanche nuageux, 17 degrés, 1 degré aussi sur Orange, 18. Le grand soleil à Réveillage sera 20 degrés. Attention au vent du côté de 10, 22 degrés. Demain matin au Maroc, de la pluie au programme en Sénégal et les Azizas, avec des nuages sur les régions au nord de l'Union. L'après-midi, de la pluie toujours, cette fois en Sérassilia et Sassilia, avec de gros nuages. Attention à des risques d'orage sur le et sa région. Pour les températures, il sera à 16 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger, avec de la pluie. Attention à des alertes à Sérassilia, 17 degrés, le thé 18 degrés à 16, sous la pluie, et 21 la maximale du côté de la ville. Demain matin, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. L'après-midi, il y aura du soleil sur le sud-est et des nuages sur une partie nord de la Tunisie. Pour les températures, il sera 16 degrés à Tunisie, nuageux, et des nuages encore à Fès et Gabès, 17 degrés, grand soleil à Médémie, 20 degrés, le ciel de Tauvert sera couvert, il sera 21 degrés. Vous êtes bien courant. En fait, 21h. Bonsoir à tous. Le roi Mohamed VI a fait sa visite officielle au Ghana et le souverain marocain a adressé un message de remerciement au président ghanéen Nana Akufo-Addo, se réjouissant des résultats positifs enregistrés. Une visite marquée notamment par la signature de 25 conventions bilatérales. Il y a déjà la volonté d'aller plus loin dans un communiqué.